Les mecs, il faut trop que je vous montre ce glitch incroyable. Ce glitch va vous permettre de gagner des XP en illimité pour toutes vos armes sans rien faire. Par contre, pour réaliser ce glitch, il faudra être au minimum 2 joueurs. Mais plus vous allez être nombreux et plus le glitch va être efficace, c'est un truc de ouf. Je vous explique ça en fin de vidéo. Et si vous cherchez des joueurs, rejoignez le Discord que je vous affiche actuellement. Alors, ce que vous allez devoir faire quand vous êtes 2 joueurs, c'est de lancer tous les deux une partie en pillage. Pour faire en sorte que vous vous trouvez dans la même partie, mais que vous ne soyez pas alliés. Très important, quand vous cherchez une partie, ne comblez pas votre escouade. Il faut que vous soyez en solo. Ensuite, vous vous rejoignez quelque part dans la map. Et là, ce que vous allez faire, c'est tuer le deuxième joueur avec l'arme que vous voulez level up. Alors, très important, le deuxième joueur doit absolument aller dans ses paramètres manette avancée et aller désactiver l'auto-déploiement du parachute. Comme ça va faire en sorte qu'à chaque fois qu'il va réapparaître, il va mourir directement à l'atterrissage. Et là, vous pouvez remarquer qu'à chaque fois que la personne meurt, je gagne des XP sans rien faire pour mon arme et pour mon niveau de joueur. Et là, avec mon poteau Valentin, on a carrément amélioré le glitch. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est tué tous les deux l'un après l'autre. Et à chaque fois que moi je mourais, il gagnait de l'XP. Et à chaque fois que lui il mourait, c'est moi qui gagnais de l'XP. Donc ensuite, on a laissé tourner le jeu et on gagnait de l'XP sans rien faire. Alors maintenant, imaginez si vous êtes 10 joueurs et que les 10 joueurs se laissent tuer en illimité. Et ben, ça fera 200 XP toutes les 15 secondes x 10. Donc ça veut dire que vous allez gagner 2000 XP toutes les 15 secondes. Et imaginez, vous êtes 150 joueurs à rejoindre la partie et vous faites tout ça. Ça voudrait dire qu'il y a 149 joueurs qui vont se laisser mourir pour que vous gagnez de l'XP. Donc vous faites 149 x 200 et vous arrivez à presque 30 000 XP toutes les 15 secondes. C'est juste une dinguerie, les mecs. Et le pire, c'est que tout le monde peut en profiter, parce que si vous vous tuez tous l'un après l'autre, et bien à chaque fois que quelqu'un va se suicider, bah vous allez gagner de l'XP. Donc franchement, ce glitch est vraiment lié au nombre qui fait la force. Plus vous allez être nombreux, plus vous allez faire de l'XP.